Bonjour, ça va? Je sais que ça va très bien. Votre star s'est levée et respire normalement. Le Seigneur lui a encore donné un jour de plus. Donc vous devez être content. Dites alléluia, amen. Alléluia, amen, amen. Voilà. Vous ne savez pas que j'aime le Congo, ça, mais est-ce que vous savez que mon Congo, ça va vous sauver? Mis à part les petits secrets qu'il vous donne là, les petits trucs, même le Congo, ça qui concerne les autres personnes, vous savez que ça vous sauve. Vous dites non, hein. Vous savez? Comment vous dites que vous ne savez pas? Oh, d'ici là, je vais vous raconter une histoire. Ça concerne une fille qui s'appelle Marceline. Marceline! Il faut venir écouter si tu veux sauver, tu veux te sauver, parce que c'est que j'ai entendu sur toi dans le taxi. Bref. Vous savez que j'ai fait développement durable à l'IHIC, non? Oui, oui, la grande école des intellectuels, là. Oui, des gens qui n'ont pas que l'eau dans la tête et la nourriture dans la tête. Voilà, c'est net, des choses, là, je suis très intelligent. Il faisait mon deuxième master. Voilà. Donc, en Benk, quand je suis en Benk, mes vacances, dernièrement, là, pour ma tournée européenne, j'ai échangé avec les différentes associations sur le sujet. Elles m'ont convaincu de diminuer mon taux de carbone, mon empreinte carbone dans le monde. Donc, j'ai dit que je vais plus vouloir aller ma voiture, n'importe comment, ma voiture qui m'a coûté 25,5 millions, que je vais être garé dans mon garage, et maintenant, je vais prendre le taxi, je vais prendre le vélo. Donc, bon, bah, si, alors, je prends mon taxi, dans le taxi, je vois une fille qui est pas là. La fille, je vous décris la fille, là. Je vais vous la décrire, et n'est-ce pas, vous attendez à ce qu'elle dise qu'elle était laide, elle était courte, elle n'avait pas, elle était pas. Non, non, c'est une fille très belle, propre, elle parlait très bien français, de lèvres chanues. Elle était sincère au niveau de la poitrine, elle était sincère. Elle était festive au niveau du bas du dos, donc elle avait le truc que vous connaissez là. Vous voyez le genre de fille propre, beau teint, beau de coucou. Mais ce qui sortait de sa bouche était répugnant. Elle dit que cette laide chose de Marceline, une coute fille comme ça avec des boutons, qui m'appelle sa mère, sa bestie. Elle croit que quoi? Le gars qui devait me draguer, un gars qui me draguait, parce qu'elle s'est m'en fait tourner. Je laisse m'en faire tourner deux. On dit, je l'ai. Bref, dans tous les cas, vous avez compris, le message est là. Tourner quelques jours, il est parti draguer ma copine. Elle croit que quoi? Maintenant, c'est lui qui veut épouser, elle qui veut épouser mieux d'elle. Elle va voir. Moi, je sais comme ça. Vous voyez le genre de nepsis qui sort de la bouche d'une fille vraiment que vous croyez que vous venez? Non, les filles, vous croyez que vraiment les laides filles, vous allez vous les amis qui peuvent vous envier, qui peuvent vous envier. Alors que, le mal est à côté. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça qu'elle dit donc que, elle s'en fait ça. Je l'ai dit qu'elle va l'amener faire ses soins pour son mariage. Je vais l'amener à quel institut là-haut. Je vais l'amener là-bas, il va lui mettre ses mauvais soins, comme ça ses boutons vont encore bien sortir. Elle sera encore bien calculatrice. Ouais, un peu. Est-ce que c'est fini? Marceline, sors! Je sens qu'elle a été sauvée la vie. Sors, Marceline. Je te dis qu'elle est. J'ai oublié de ta copine, mais je crois que quand j'ai décrit, tu sais, avec ta copine, je parle. Tu l'appelles souvent bestie, c'est ta meilleure amie. Donc, sors, c'est le mal. Marceline, elle a dit que le mois dernier, que tu ne sais pas comment on utilisait les tampons, parce que ton gars t'a amené les tampons de Mbeng. Le mois dernier, tu sais pas comment on utilisait les tampons, tu crois que c'est les bonbons. Est-ce que je mens, Marceline? C'est toi, non? Donc, si Marceline, qu'on connaît l'histoire, c'est elle! C'est elle! Elle a dit que tu ne connais même pas manger les nouilles avec le bâton des Chinois, là. Que le jour que tu sautais avec ton gars, avec ton gars qui la draguait, là, tu as commencé à manger avec les doigts, tu as même la fouchette, et qu'elle a commencé à se moquer de toi, quand ton gars est laissé. Est-ce que je mange? C'est ça, non? Voilà! Parce que moi, quand il parle, est-ce qu'il manque? Je dis la vérité. Le Congo, ça, c'est ça! C'est ça, moi, il m'a peur de faire le Congo, ça. Parce que je suis en train de sauver la vie à Marceline. Marceline, elle a rajouté que dans tes vœux de mariage, parce que apparemment, ton gars, c'est un noir américain, et que les vœux de mariage, tu vas faire ça en anglais pour qu'il comprenne. Elle a dit que pendant tes vœux de mariage, elle a écrit en anglais que tu vas tromper, que bébé, pendant ce mariage, je vais te tromper, pendant ce mariage, je vais t'empoisonner, pendant ce mariage, je vais pas bien cuisiner, et pendant ce mariage, si je vais même, je vais te faire des faux enfants. C'est ce qu'elle a dit. Donc, comme tu comprends pas l'anglais, là, ton problème, voilà ça que tu dis, là. Évite ta copine, là. Évite, oh. Moi, j'ai décidé de la trahir. Quand elle a dit que, en plus, elle m'a invité d'Obidi pour faire la nourriture, elle va voir s'il va venir. Elle va voir. Je vais la dissuader. Donc, je vais tout faire pour que d'Obidi vienne pas cuisiner à son mari. Mais tu vas prendre un service de toi qui va venir avec la nourriture déjà pouée, gâtée, froide. Elle va lire. C'est donc là où j'ai eu les frampoles. J'ai eu les mitigances au niveau du cerveau. J'ai eu le court-circuit cérébral dans ma tête. Il a dit que jamais de la vie. C'est même quelle folie ça. Un homme qui se marie avec une bamiléké. Bon, je sais pas si Marceline est bamiléké, mais c'est le bamiléké qui aime donc bien le prénom là. Avec une bamiléké, avec beaucoup d'argent comme ça là, on ne peut pas m'appeler. Toi la vie, c'est vite trahi. C'est comme ça que j'ai décidé de la trahir. C'est comme ça. Donc là, elle m'a donné la chair de poule Marceline. La chair de poule, c'est-à-dire que ça a gonflé comme pour le poulet comme ça là. C'est qu'elle a dit que, et si après tout ça, le noir américain aime toujours Marceline, elle va me sentir. J'ai rendez-vous avec ma poire. Dès qu'elle va se marier chez ma poire, c'est ma poison. Pour te faire la chose, vous voyez un peu. Donc, faites attention. Voilà, c'est quand on vous demande d'aller à l'école, faites l'école. On ne peut pas faire l'école, mais maintenant qu'on va faire les, on appelle ça comment là, les fausses déclarations d'amour avec les empoisonnements à l'intérieur parce que tu ne connais pas lire l'anglais, tu as refusé de faire l'anglais à l'école. En tout cas, je suis là, je parle, je viens même la crier. Est-ce que toi-même tu es différente, Marceline? Parce que vous les filles, on vous connaît, vous les garçons, on vous connaît. Bref, tout le monde est bizarre dans cette vie. Bye bye, moi vous laisse. Bienvenue de faire la zizanie dans vos cas, pardon. Bye.